Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue et puis, et bien sûr, nous vous remercions d'être présents pour notre premier webinaire. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver dans son intégralité sur le site de la ville de Saumur, sur Facebook et auprès de nous, Cynthia et moi-même. Ce webinaire est un temps d'échange entre parents et professionnels. Il comporte quatre parties. Ce qu'on vous propose, c'est d'échanger ensemble. D'abord, à la suite de la deuxième partie et à la dernière partie. Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions sur Fini les couches et on se fera un plaisir d'y répondre avec Cynthia tout au long de la soirée. Ce webinaire durera environ 1 heure. Et bien sûr, nous continuerons, si jamais toutefois nous n'avons pas toutes les réponses à vos questions, nous continuerons de vous renseigner. Ensuite, on va tout d'abord se présenter à vous. Bonsoir. Alors voilà, je suis Cynthia. Je suis responsable de ce qu'on appelait avant le relais d'assistante maternelle, qui depuis peu s'appelle le relais petite enfance. Donc le relais petite enfance est un lieu d'information, d'échange, destiné aux futurs parents, aux parents de jeunes enfants ainsi qu'aux assistantes maternelles et gardes à domicile. Et mes missions s'articulent autour de trois thèmes importants: l'écoute, l'information et l'animation. Donc, toutes les semaines, j'organise et je propose aux assistantes maternelles des matinées d'éveil sur des thèmes différents. Et auprès des parents, je suis là pour les aider dans leur choix de mode de garde sur toutes les questions autour des contrats. Voilà, pour des conseils, de la médiation, afin que tout se passe bien tout au long de l'accueil de l'enfant chez une assistante maternelle. Voilà. Alors moi, je vais me présenter à vous. Je suis Christelle Nicolas-Loire. Je suis responsable de l'espace parent. Cet espace parent, il est réservé pour vous, parents. On peut organiser des rencontres individuelles sur rendez-vous. C'est un lieu convivial, c'est un lieu d'écoute, d'accompagnement et de ressources que vous pouvez trouver auprès de moi. L'espace parent mène aussi tout au long de l'année sur la ville de Saumur des actions qui valorisent les échanges parents-enfants sur les temps scolaires ou la crèche ou autres. Je suis également responsable de la Maison des Petits Pas. C'est un lieu pour prendre du temps pour soi, pour partager du temps aussi avec son enfant. C'est un lieu pour rencontrer d'autres enfants et d'autres parents. C'est un lieu de jeu adapté pour les enfants de moins de 4 ans. Il est ouvert le lundi après-midi de 15 h à 18 h, le jeudi de 9 h à midi et l'après-midi du jeudi de 15 h à 18 h. Nous allons commencer ensemble à voir les quatre parties qui vont pouvoir s'enchaîner les unes après les autres sur Fini les couches. Dans un premier temps, on va parler ensemble de l'acquisition de la propreté, puis ensuite c'est Cynthia qui prendra le relais pour comment savoir quand mon enfant est prêt. Ensuite, je reprendrai la parole. Avant, on passera un petit temps d'échange, questions-réponses entre nous. Et donc, je reprendrai la parole sur accompagner mon enfant étape par étape au cours de cette acquisition. Et Cynthia finira par les petits conseils. Alors, succinctement, on voulait un petit peu vous parler voilà, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de fini les couches et de l'acquisition de la propreté? Eh bien, l'acquisition de la propreté, dans un premier temps, c'est l'acquisition, en fait, et c'est surtout le contrôle des sphincters. En fait, l'enfant, voilà, les sphincters de l'enfant, enfin les sphincters tout court, ce sont des petits muscles. Et en fait, c'est arriver à acquérir le contrôle de ces sphincters qui font que l'enfant, en fait, va pouvoir ouvrir et fermer sa vessie et son anus. C'est de ça dont on parle. L'acquisition de la propreté, c'est une période, en fait, qui s'écoule et qui commence vers l'âge de 18 mois à peu près, jusqu'aux 3 ans, voire plus de l'enfant.
Voilà. Avant cet âge, l'enfant n'est physiologiquement pas prêt. Pour lui, l'étape de la propreté n'aura du sens que vers les 18 mois, 2 ans. Avant, c'est bien trop tôt pour pouvoir lui proposer le pot. Mais l'enfant peut s'y intéresser et y chercher un petit peu d'intérêt. Rien ne nous empêche de lui en parler, de lui démontrer, de lui montrer des choses. Mais de lui-même, il n'aura pas cette capacité à pouvoir retenir et à lâcher ses sphincters. Voilà. Sachez que c'est un processus spontané, naturel, mais qui nécessite de l'accompagnement, comme toute l'acquisition, enfin toutes les acquisitions du jeune enfant qui sont multiples les 3 premières années. On pourrait faire un parallèle avec la marche, c'est-à-dire que ça va être semé d'embûches. C'est un enfant qui marche. Voilà, au début, on lui donne nos 2 mains, puis une main, et puis il va commencer à marcher seul. Eh bien, la propreté, ça va être pareil, un long parcours. C'est-à-dire qu'au début, on s'y intéresse, on réussit, on a des échecs, et puis on réussit de nouveau, jusqu'au jour où on peut quitter complètement la couche, être en culotte et réussir cette acquisition. Donc, il va falloir se laisser du temps pour accompagner notre enfant, cet enfant, vers la propreté. Voilà. La propreté de la sieste arrivera plus tard et celle de la nuit aussi. Là, on va se concentrer sur l'acquisition de la propreté en journée et on reparlera de l'acquisition de la propreté de la sieste et de la nuit plus tard. Voilà. Je laisse Cynthia prendre la suite. Alors, moi, je vais aborder le sujet de comment savoir quand mon enfant est prêt. Donc, il y a quelques signes qui ne trompent pas, qu'il faut réussir à déceler sans se mettre trop de pression. Les signes, c'est quand sa couche est souillée et qu'il se sent gêné, ou que vous voyez qu'il est gêné, quand sa couche reste sèche plusieurs heures d'affilée, quand il s'intéresse au pot et aux toilettes, qu'il veut jouer avec, qu'il veut s'asseoir dessus, même lorsqu'il est habillé. Dans ce cas-là, il faut l'accompagner et l'aider. Quand il se dandine, touche sa couche, serre les jambes, quand il se déshabille seul, quand il pose des questions sur le sujet, sur son autonomie, sur son anatomie, pardon, qu'il marche ou qu'il court aisément, quand il monte et descend seul les marches d'un escalier. Il veut mettre des slips ou des culottes, ou en tout cas il les réclame. Quand il vous observe aux toilettes, qu'il veut vous suivre, qu'il vous voit ce que vous faites, qu'il vous imite tout le temps, aspirateur, bricolage, balai, etc. Il parle de plus en plus en utilisant les mots pipi, caca, qu'il a envie de se laver tout seul, qu'il veut faire de plus en plus seul et qu'il refuse de temps en temps d'être changé, allongé. Là, on peut se dire que déjà, l'enfant commence à être prêt. Donc, du coup, on va aborder le sujet suivant, qui est accompagner mon enfant étape par étape. Accompagner l'enfant étape par étape, comme l'a signifié Cynthia, il y a plusieurs repères, il y a plusieurs signes. Une fois qu'on a repéré un petit peu tous ces signes chez l'enfant, on peut commencer à se dire qu'effectivement, on va pouvoir tranquillement, doucement, lui parler de ce qui se passe quand on parle de propreté. Voilà. On pourrait aussi se dire qu'il y a ce que l'enfant nous démontre, nous donne comme signe, comme quoi il s'y intéresse, quand il nous suit aux toilettes, quand il s'aperçoit qu'il a fait dans sa couche et qu'il demande à être changé, quand il refuse de vouloir être changé, allongé. Eh bien, voilà, ça, on peut se dire qu'on approche sur l'acquisition de la propreté, qu'il va peut-être falloir qu'on commence à lui présenter peut-être le pot. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi savoir que c'est important aussi que nous, parents, soyons prêts. Parce que c'est une étape qui va être semée un petit peu d'embûches, voilà, avec des réussites,
formidable. On va trouver le pipi et le caca tellement beau de notre enfant parce qu'on est tellement fiers. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y aura quelques échecs. Et pour ça, il vaut mieux être dans une période personnelle en tant que parent où elle ne soit pas surchargée. C'est-à-dire qu'on va éviter, par exemple, de commencer d'enlever les couches quand on va déménager ou quand on attend un deuxième enfant ou un troisième. Tout événement un petit peu voilà, qui va prendre de la place dans la vie de la famille. Voilà, on va faire en sorte de se dire, bon, c'est peut-être pas le moment qu'on fasse tout en même temps. Donc, peut-être évaluer un petit peu comment nous on est prêts pour accompagner au mieux notre enfant. Notre enfant, voilà, quand il va montrer ses signes, ce qui va être aussi intéressant, c'est de pouvoir valoriser tout ce qui va se passer pour lui à partir de ce moment-là. Déjà, on peut se dire, on ne va pas passer à la culotte tout de suite, on va y aller progressivement. On peut, voilà, dans un premier temps, aller acheter un pot, le laisser le choisir, et également, on pourrait le décorer. Voilà, pour que cet objet-là, il se joue quelque chose que ce soit ludique pour lui. Les choses vont s'installer petit à petit. C'est vrai que lui, il va vouloir s'installer dessus habillé, il va vouloir le traîner un petit peu partout dans la maison. Et ça, on peut décider de le laisser faire parce que du coup, il prend connaissance aussi de cet objet qui va faire partie de sa vie un petit bout de temps. Et voilà, c'est expliquer à l'enfant que des choses, voilà, des choses vont se passer, qu'on va l'accompagner, que effectivement il va bientôt aller sur ses 3 ans, que l'entrée à l'école va arriver, et que le monde de l'école, c'est le monde des sans-couches. Donc, on sait que bientôt, on quittera les couches pour se retrouver en culotte, comme tous les enfants qui grandissent. Ça aussi, ça peut être dans les temps qui suivront intéressant d'aller choisir les sous-vêtements ensemble, que les choses elles deviennent ludiques pour lui. Le tout petit en fait de 3 ans, en fait pour lui tout est naturel, hein. C'est-à-dire que même s'il y a des oublis par moment, en aucun cas pour embêter le parent, voilà. Un enfant qui joue, et un enfant joue toute la journée, hein, on le sait bien, un enfant qui joue, sa priorité, c'est son jeu, c'est son imaginaire, et ça peut, voilà, ça peut provoquer des oublis. Même lui, il est souvent surpris, en fait, de ce qui se passe. Voilà. Ne dramatisons pas autour de ça. Ah, on peut l'accompagner en lui disant, bon ben, c'est pas grave, la prochaine fois, peut-être que tu auras un petit signe qui te fera sentir que tu avais peut-être envie d'aller sur les toilettes. Voilà. C'est vraiment, si on avait un message à faire passer avec Cynthia sur cette acquisition de la propreté, c'est accompagner au mieux, verbaliser autour de ça, en lui expliquant ce qui se passe pour lui. Parce que lui, jusqu'à maintenant, il n'a connu que les couches. Il n'avait pas eu besoin de se soucier de quoi que ce soit. On était là, on changeait quand on avait senti quelque chose, une odeur ou une couche un peu chaude. Lui, jusqu'à maintenant, il s'était pas dit, tiens, c'est chaud, on va me changer. Tiens, j'ai sali, on va me changer. Lui, jusqu'à maintenant, il était, voilà, il continuait sa petite vie et en fait. Nous, on actait un petit peu auprès de lui pour changer ses couches. Alors, c'est vrai que lui, de se retrouver d'un coup en culotte, forcément, il va se passer un monde nouveau. D'ailleurs, on peut profiter, quand on voit qu'il est prêt aussi, à le changer debout. On peut lui proposer. C'est vrai que maintenant, tu es grand, on pourrait peut-être changer la couche debout. Qu'en penses-tu? On peut être source de proposition. Est-ce que tu veux enlever tout seul ta couche? Est-ce que ça te dirait de la mettre dans la poubelle tout seul? Est-ce que tu veux te nettoyer aussi tout seul? Et c'est vrai que en accompagnant notre enfant sur ces nouvelles étapes,
N'oublions pas de le valoriser. Parce que pour lui, c'est un gros effort et c'est une grande gestion. Et puis, on sait aussi que dans cette période-là, du 18-3 ans, là où l'acquisition de la propreté arrive, c'est aussi la période de l'opposition. Ça tombe mal, ou ça tombe bien. Mais effectivement, il va pouvoir dire non. Non, j'ai pas envie. Voilà. Donc, il va falloir. Il va falloir voilà, être très à l'écoute et à la fois ne pas braquer, voilà, être force de proposition pour lui, pour éviter que les choses se passent mal. Parce que la période d'opposition, c'est la période de l'autonomie. Ça tombe bien, la période de l'acquisition, c'est une grande marche vers l'autonomie. Voilà. Et tout ça va être un petit peu confronté pour lui. Voilà, il y a une question de pouvoir. Tiens, j'ai l'impression que ça leur fait vachement plaisir à mes parents, là, que je fasse pipi et caca dans le pot. Mais si j'ai pas envie, peut-être que, voilà, si je m'oppose et que je fais pas comme ils veulent, qu'est-ce que ça donne? Donc, il va y avoir un petit peu une petite tyrannie entre les deux. Voilà, des petites choses comme ça qui vont se jouer. On peut expliquer aussi à l'enfant, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure quand je vous disais que pour lui, jusqu'à maintenant, voilà, il n'a connu que les couches, il faisait dans sa couche et ça ne gênait personne. Qu'est-ce qui se passe que d'un coup, on me met sur le pot? Il a l'impression, pour certains enfants, il y a une impression de perdre quelque chose de soi. Voilà, ça peut effrayer certains enfants. On peut encore une fois, nous, être source de donner un peu du concret dans cette histoire et lui raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans son corps. Eh bien oui, ton corps, en fait, il se nourrit, on nourrit notre corps, et notre corps, il est intelligent, en fait. Il va garder ce dont il a besoin et il rejette ce dont on n'a pas besoin. Et c'est ça qui va sortir de toi et qui va partir dans le pot ou dans les toilettes, selon ce qu'on choisit. Si on prend un adaptateur pour les toilettes. Et on peut même expliquer à l'enfant, tu sais, ça part, et alors tout ce qui part là de toi, on le met dans les toilettes, ça part dans les tuyaux, et ça va nourrir les fleurs et les arbres. En fait, l'enfant, lui, ça va contextualiser les choses et ça va prendre un sens. Voilà. On peut même dessin à l'appui, hein, dessiner une maison, un toilette, des tuyaux. Voilà où ça s'évacue, voilà où s'en va, où ça s'en va. Pour que, en fait, il y ait un cheminement pour lui et une concrétisation de ce qui se passe. Voilà, ça peut être des outils intéressants pour nos enfants. C'est une période où, en fait, ils ont aussi peu de maîtrise sur le sujet. C'est-à-dire que, ben, voilà, faire pipi, faire caca. Nous, en tant que parents ou en tant que professionnels, on peut proposer des activités qui pourraient lui permettre un peu d'avoir un pouvoir sur les choses, tout ce qui un pouvoir sur la matière. Ça pourrait être de proposer des jeux avec du sable, des jeux d'eau, de transvasement, des jeux de je gratte dans la terre, j'enfonce mes doigts, je fais passer la terre dans mes doigts, j'étale la peinture. Un petit peu des activités autour de la matière pour pouvoir lui permettre de maîtriser un petit peu la matière, de vraiment l'avoir en possession et être le maître là, pour le coup, de son activité. Voilà, je vais passer la parole à Cynthia, qui va me trouver énormément longue, parce que voilà, je suis désolée, j'ai été un petit peu embarquée. Et je vous laisse avec Cynthia et on revient après ensemble sur d'éventuelles questions. Alors, pas que moi, parce que j'en vais répondre à Sabine qui nous pose une question sur Facebook. Désolée, c'est notre premier live. Donc, on démarre, on prend nos marques et du coup, il y a quelques petits couacs, on s'excuse d'avance, on va essayer de faire au mieux. Donc, Sabine nous pose la question, les filles sont-elles plus précoces que les garçons sur ce sujet? Et Oui, donc, c'est ça vrai. dépend.
Mais c'est. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de là où il en est dans son autonomie, dans son évolution, dans son corps, dans sa tête. Il n'y a pas de réponse vraiment figée. Il peut y avoir des petits garçons qui vont être propres à 12-18 mois et d'autres qui vont être propres à 20-22 mois. Ça dépend de comment il est prêt et à quel moment il est prêt. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de repérer les petits signes qui montrent s'il est prêt déjà ou pas, s'il sent ce qui se passe dans son corps, et de l'accompagner au mieux au moment où ça sera le plus opportun. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ou vous en posez une autre si vraiment il faut qu'on approfondisse le sujet. Voilà. Du coup, on va avancer sur les petits conseils. Alors, attendez, je vais voir sur ma page. Alors, les petits conseils qui peuvent vous aider à dédramatiser la situation, à ne pas vous mettre trop la pression. Premièrement, il ne faut pas hésiter à vider le contenu du pot dans les toilettes avec lui, afin qu'il prenne de bonnes habitudes et comprenne où ça disparaît. Donc, ce que disait justement Christelle juste avant, éventuellement avec un petit dessin et de contextualiser les choses. Les bonnes habitudes aussi à prendre, c'est de lui montrer comment faire pour s'essuyer, lui montrer aussi comment on se lave les mains après le passage aux toilettes ou avant, si on vient de jouer dehors, dans le sable, dans la terre. Pour avoir les mains propres avant d'aller aux toilettes, ça peut être aussi pas mal. Dans cette pré-période, lorsqu'on remarque les signes que j'ai donnés au début, il est important d'aller dans le même sens que l'enfant. Donc, on peut lui proposer d'être changé debout, plus allongé, comme un petit, donc ce que disait Christelle tout à l'heure. On l'accompagne à retirer ses couches lorsqu'elles ne sont pas trop pleines et à aller les jeter dans les toilettes. On peut aussi lui proposer de l'accompagner à se laver seul avec une lingette, un gant, avec du savon. Ça dépend de vos habitudes à la maison. En lui nommant les parties de son corps en même temps qu'il les lave, avec les noms que vous utilisez à la maison. Donc là, ils peuvent être divers et variés. Peu importe. Il est important ici que l'enfant prenne conscience de son corps, donc qu'il se rince, qu'il s'essuie, il remet sa couche, toujours en notre présence et en notre aide pour l'accompagner à faire seul. Le tout n'est pas qu'il fasse seul, mais qu'il soit vraiment accompagné dans cette nouvelle étape. Donc, l'important, ce n'est pas, par exemple, de lui donner la couche et de lui dire oh, ben, tiens, je vais faire un truc, mets ta couche tout seul, je reviens. Non, il faut être avec, à côté, parce que s'il n'y arrive pas tout de suite, il ne faut pas qu'il se sente désemparé. En parallèle, on peut aussi utiliser le jeu qui peut l'aider, donc lui permettre d'appréhender la maîtrise, de vider, de remplir, donc avec des jeux de transvasement par exemple, du dedans, du dehors. Alors les jeux de transvasement, on peut avoir du sable, de l'eau, de la semoule, enfin tout ce qui peut être utile et facile. L'acquisition de la propreté passe aussi par le jeu. Donc par exemple, un enfant que vous sentez prêt et pour vous. Que vous avez envie d'accompagner sur le pot, vous pouvez lui donner par exemple une petite voiture qui peut lui permettre d'attendre un petit peu, voir si ça vient ou si ça vient pas. Si ça vient pas, il se lèvera tout seul et il voudra quitter le pot. Donc là, pareil, on l'accompagne et c'est lui qui sent les choses, donc il n'y a vraiment pas de pression à se mettre. Les jeux permettent de toucher les matières. Donc là, je suis en train de, au fur et à mesure que je lis, je suis en train de répéter ce que tu dis, en fait, je pense. C'est pas grave. On a fait un mix et du coup, peut-être qu'on va se répéter, mais c'est pas grave. Il vaut mieux le dire deux fois que pas du tout et l'oublier. Donc, on favorise les jeux d'imitation avec la poupée, par exemple. C'est vrai que on peut être amené à avoir des enfants vouloir changer la couche de poupon. Donc, c'est pas mal de les laisser faire, de les accompagner avec des petits vêtements. Par exemple, garder les vêtements de naissance et peut-être une couche de la naissance pour pouvoir les adapter à un poupon. Passer le balai, bricoler avec des gens en plastique. Donc là, il y a les.
tous les établis, les cuisines, ou alors lui sortir deux, trois boîtes tupperware avec des couverts, un petit chiffon, une petite éponge, tout ce qui peut servir à imiter votre quotidien. Donc, si vous avez vraiment des questions un peu plus techniques et un peu plus poussées, vous pouvez aussi en parler avec votre pédiatre, qui peut être également de bons conseils en cas de gros doutes. Alors, la phase des 18 mois à 3 ans, ouais, c'est sur l'opposition que vient de dire Christelle. Après, les petits conseils. C'est par exemple éviter d'aller vous promener trop loin sans emmener de rechange, sans emmener de pot. Par exemple, je ne sais pas, j'ai le souvenir, moi, d'une fête des écoles de ma grande où c'était la période de propreté de ma dernière. Et ben, on avait le pot calé en dessous la poussette. Et ça permettait qu'au moment où elle demandait à faire pipi, vous avez tout sur place. Après, on va dans les toilettes vider le pot par la suite. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut sur place au moment où votre enfant en a besoin. Et à ce moment-là, personne n'est en défaut, personne n'est en difficulté. Et ça évite à votre enfant d'avoir une fuite. Et ça le met en confiance parce que du coup, vous avez anticipé ses besoins, vous avez anticipé le fait qu'il est en acquisition. Et ça l'aide enfin, ça favorise en tout cas le fait que ça se passe bien. Ce qui est important aussi par rapport à emmener le pot ou à s'organiser, et c'est aussi d'en parler à l'entourage. C'est vrai que quand on commence la propreté avec son enfant, qu'on l'accompagne, on met des choses et des rituels en place, des habitudes en place qui sont propres à notre famille et à notre fonctionnement. Et c'est intéressant de pouvoir aussi prévenir quand il est gardé chez la nourrice ou quand il est à la crèche. Ou bien quand il va chez papy et mamie ou tout autre. Et de pouvoir dire, voilà, bah, ça y est, Jules, par exemple, bah, Jules commence la propreté, on y va doucement. Donc, voilà. Et parler, en fait, aux personnes qui vont garder Jules et avec qui Jules passera du temps, du rythme et de la façon dont vous fonctionnez avec lui pour ne pas que Jules s'y perde, si jamais toutefois, eh bien finalement, bah tiens, t'as eu un loupé, t'as eu un oubli, moi je te remets la couche. Et finalement, chez papa et maman, on remet pas la couche, on se lave, on remet un sous-vêtement, et l'enfant pourrait s'y perdre en fait, de se dire, ah bah finalement, alors voilà. Donc c'est important de donner un peu le mode d'emploi que vous avez choisi, vous, dans votre famille, pour que Jules soit au mieux dans son acquisition de la propreté, au mieux cadré, voilà. Parce que le chef d'orchestre, c'est vous et c'est lui. Et donc, c'est important que les autres suivent votre mélodie, quoi. C'est important comme repère pour Jules. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est le choix entre le réducteur et le pot. Alors ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. C'est vrai que voilà, chaque famille choisit ce qui est le plus pratique pour lui. On dirait que on peut dire que quand même l'avantage du pot, c'est que on peut l'emmener quand même un peu partout avec nous, comme nous disait Cynthia. On va à la fête du grand, hop, le pot, il peut être glissé sous la poussette. Donc ça, c'est quand même chouette. On peut le déplacer avec nous assez facilement. Le rehausseur, c'est moins, pas le rehausseur. Je dis toujours le rehausseur, je m'excuse. Hein, c'est le réducteur. Le réducteur, c'est un peu moins facile quand même. Le réducteur aussi par rapport au pot, c'est que l'enfant, il n'a pas les pieds au sol. C'est vrai que c'est important que l'enfant soit stable dans la position dans laquelle il va être pour faire ses besoins. Et d'être sur le toilette, quand un petit bout de 18 mois, 2 ans ou 3 ans, voilà, sur un toilette, c'est pas forcément sécure et il peut se trouver un peu stressé et un petit peu pas à l'aise. Sur ce toilette de grand.
Alors que le pot, il y a quelque chose, voilà, c'est plus petit, on est bien calé en général. Bon, bah, les petits garçons, on veille à ce que la verge soit quand même bien placée dans le pot, sinon on aura des surprises. Mais c'est vrai que le pot, ça peut être, en tout cas dans les débuts, une méthode un peu plus douce peut-être pour commencer. Voilà, ça c'est un avis, c'est mon avis en tout cas, voilà, mais je tenais à vous le partager parce que c'est vrai que la motricité dans laquelle se trouve l'enfant, bah, du coup, ça peut l'inquiéter d'être en hauteur. Et puis, il y en a qui gèrent très bien, hein, voilà, c'est vraiment à évaluer pour vous en tant que parent ce qui est bon pour votre enfant. Voilà. Il y a une petite chose aussi, tu en as parlé tout à l'heure, Cynthia, je trouve que c'est vrai que dans les débuts, le pot, il ne faut pas avoir peur que ce soit un élément de jeu, hein, vraiment. On peut, nous, en tant que parents, déposer la pousse, la poussette, non, pas déposer, je suis avec la poussette de Cynthia, moi. Non, pas déposer la poussette sur le pot, pas du tout. Mais on peut laisser jouer l'enfant avec une petite poupée, avec son doudou, l'installer sur le pot, lui dire, ah bah oui, tiens, lui aussi, il a bu, il a peut-être envie d'aller sur les toilettes. Et sous une forme de jeu, comme disait Cynthia, ça peut être, voilà, c'est une première approche sur cet objet qui va devenir de plus en plus présent à la maison. Voilà. Ce qui est important aussi pour le pot, c'est qu'il soit toujours placé au même endroit. C'est-à-dire qu'au début, c'est sous forme de découverte et c'est sous forme de jeu que lui va l'apprivoiser. Et c'est vrai que, voilà, au fil du temps, il va avoir un sens très pratique, c'est qu'on aura quitté doucement la couche et qu'on va être en sous-vêtements. Et que toutes les 1 heure et demie à peu près, on peut dire que l'enfant a des envies. Donc, on anticipe, nous, parents, en se disant, tiens, ça fait un petit bout de temps peut-être, Jules, que tu n'as pas été aux toilettes. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je vois que tu as l'air bien occupé avec ton train et tes Duplos. Et finalement, voilà, nous, on va l'amener à y penser. Et cet objet, en fait, le pot, le fait de le trouver toujours au même endroit, ben, ça va avoir un sens pratique important. C'est-à-dire que quand il y a une urgence, le pot, il n'est pas un coup dans la chambre, un coup dans la cuisine, un coup sous l'escalier. Ce qui ferait que, du coup, je dis Jules, hein, je reste sur petit Jules, du coup, Jules, ben, du coup, forcément, l'envie pressante, eh ben, elle va se faire là sur le parquet. Alors que si le pot il avait été rangé toujours au même endroit, ben Jules aurait su vite j'ai envie, vite je vais au pot, donc je sais que c'est aux toilettes. Donc c'est un repère important. Je sais pas ce que tu en penses, Cynthia, mais c'est vrai que voilà, ça c'est le fait de l'avoir toujours au même endroit, voilà. Voilà, c'est important pour l'enfant parce que il sait que c'est là que ça se passe. Il sait que voilà, quand il va commencer à vraiment bien maîtriser ses sphincters et le fait de comprendre que, ah tiens, là, je sens que mon corps m'envoie un signal, et il va falloir que j'y aille vite. Le vite, il faut que le pot il soit là. Voilà, tout simplement. Voilà, Cynthia, sur mon petit couplet Mon petit pot. supplémentaire. Je sais. Tout à fait. Non, ce que j'allais dire, c'est que du coup, on avait quelques livres, quelques Oui. références éventuellement de livres à vous proposer qui sont plutôt intéressants justement à lire avec avec vos enfants. Voilà, parce que on peut voir autour de beaucoup de sujets de la petite enfance que passer par les histoires, ça fonctionne très bien. Donc, nous avons le livre de la petite peau taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Tout le monde y va, j'y vais, tout le monde fait caca. Le livre Ça y est, qu'y a-t-il dans ta couche? Mais où il va mon caca? Voilà, ça c'est quelques histoires qu'on a sélectionnées à la médiathèque, qui nous ont été proposées par la médiathèque pour aborder le sujet de la propreté avec vos enfants. Après, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être aussi abordés justement à travers la lecture sur plein, plein, plein de sujets de la vie du quotidien.
Donc, si vos enfants aiment les histoires, moi, pour l'utiliser, je trouve que c'est très intéressant parce que ça fait émerger aussi au niveau des enfants pas mal de questions. Et ça les aide à prendre conscience justement qu'il est en train de se passer quelque chose. Et ça peut donner des billes aux parents pour pouvoir répondre avec justement le vocabulaire adapté et les mots adaptés à leur âge. Donc les histoires, quelques chansons, c'est voilà, c'est un bon outil pour vous aider, vous parents, à aborder le sujet avec les enfants. Donc voilà pour les références de livres. Alors nous avons une autre question, donc je vais la lire, de Camille. Pas évident de respecter le rythme de l'enfant et d'attendre qu'il soit prêt quand la rentrée en petite section met la pression sur la propreté qui doit être acquise en journée et à la sieste. Tu réponds, je réponds. Je vais démarrer et puis Christelle me complétera si ou pas, si j'approfondis pas assez. Oui, effectivement, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'on subit une pression de la société là-dessus quand ils sont justement à l'aube de rentrer à l'école, où bien évidemment maîtresse et ADSEM nous font bien comprendre que si les enfants ne sont pas propres, ils ne peuvent pas être accueillis à l'école parce qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles manquent de temps, ce qui peut s'entendre, hein, parce que c'est vrai que 24 enfants qui ne seraient pas propres, c'est très difficile à gérer. Après, on peut avoir des. Il peut, par exemple, au cas où c'est possible, faire des matinées à l'école et des après-midi, soit à la maison, soit chez l'assistante maternelle, si jamais il est accueilli chez une ASMAT. Et lors de la matinée à l'école, les parents peuvent prévoir plusieurs changes. Après, il faut savoir que quand un enfant rentre à l'école, il va à environ 4 à 5 fois aux toilettes le matin. Alors vous pouvez éventuellement l'accompagner aux toilettes en arrivant à l'école. Après, il rentre dans la classe. Il y a le temps d'accueil où souvent ils vont aux toilettes juste après. Ils y vont soit avant, soit après la récré. Ils peuvent aussi y aller pendant ou juste avant la cantine. Enfin, pendant la matinée et avant la cantine, après ils y retournent après la cantine. Donc il y a quand même plusieurs temps où le passage aux toilettes est proposé aux enfants. Et après, si vraiment, vraiment, il est pas tout à fait prêt, là, il faut en discuter avec la maîtresse. Avec avec la communication, il y a pas mal voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent passer. Vous connaissez votre enfant, donc vous allez pouvoir expliquer à la maîtresse, il commence à être propre ou alors il n'est pas du tout prêt, il va être prêt, voilà. Peut-être que votre enfant est prêt, mais comment dire, qu'il est trop, attendez, je cherche mon mot. Il est trop pris dans son jeu et du coup c'est pas qu'il n'est pas prêt mais c'est juste qu'il est tellement pris dans son jeu qu'il oublie de faire pipi. Alors ça, il faut savoir que un enfant qui est très pris dans son jeu peut encore avoir une fuite à 9 ans et demi. Ça arrive qu'il arrive aux toilettes trop tard. Donc voilà, c'est mais ça c'est il y a que vous en tant que parent qui pouvez dire à la maîtresse où il en est justement dans l'acquisition de la propreté. Estelle, as-tu des choses à rajouter? Oui, non, mais c'est ça, c'est important ce que tu dis, Cynthia, c'est vraiment la communication. Et encore une fois, c'est vous qui connaissez votre enfant au mieux. Donc, de pouvoir lui dire, en fait, voilà, il est presque prêt, ça arrive. Voilà, il y a encore des accidents. Aujourd'hui, les professeurs des écoles et les ADSEM, je trouve qu'il y a une tolérance de plus en plus importante dans les écoles, chose qu'on ne trouvait pas forcément avant. Voilà, où il y avait absolument, voilà, c'était sans discussion, il fallait être propre, sinon on ne prenait pas l'enfant. Aujourd'hui, quand même, ça se voit moins.
Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, c'est ce que disait Cynthia, le fait de parler et de raconter comment est notre enfant, voilà, c'est beaucoup de choses. L'entrée à l'école, c'est une nouveauté pour lui, c'est un changement total. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte de nouveau dans sa journée, de beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est vrai que la propreté, voilà, elles savent que dans le premier trimestre, les ATSEM et les professeurs d'école savent que. Il y a souvent des accidents. Après, de là à ce qu'un enfant ne soit pas propre totalement, c'est quand même assez rare, hormis si c'est une entrée d'un enfant à 2 ans et demi. Mais voyez, là, on peut se dire que, et on le voit dans les écoles, il y a vraiment un accompagnement qui a changé aussi. Déjà, l'école est obligatoire à 3 ans aujourd'hui, et il y a un accompagnement qui a changé. Donc, soyez rassurés, vous, en tant que parents, en vous disant que vous pouvez en parler avec, le corps enseignant de l'école. N'hésitez pas à en discuter avec eux. Voilà, comme disait Cynthia aussi, prévoyez beaucoup de changes, hein, de manière à ce que votre enfant soit pas ennuyé, mais l'école est équipée aussi. Voilà, ce sont des habitudes dont les ATSEM et les professeurs d'école ont l'habitude de gérer. Voilà. Donc ne soyez pas inquiets. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que on sait que cette étape, elle va arriver avant l'école, hein, l'acquisition de la propreté. Si notre enfant ne montre pas forcément de signes, comme on disait au début, il y a des signes qui ne trompent pas chez les enfants, hein, quand on commence à se dandiner, à serrer les jambes, à nous observer de plus en plus, et pourtant ça ne vient pas. Là où il faut qu'on, en tant que parents, si on peut vous donner un conseil, nous, professionnels, c'est de ne pas commencer la propreté juste quelques semaines avant l'entrée à l'école. C'est vrai que ça fait court. C'est bien d'anticiper quelques mois, hein, en avance et de manière progressive, en parlant, en commençant à lui donner des, comme disait Cynthia, on raconte des histoires sur le sujet, on en parle. Ensemble, de un jour, bah, les couches, on ne les porte plus, on met des sous-vêtements. Voilà, que le sujet arrive à lui tranquillement, on évitera que ça se fasse au dernier moment. Parce que c'est trop court. Voilà, il y a quelques enfants, mais chaque enfant vraiment a son propre rythme. Il y a des enfants en quelques jours, et c'est vrai, sont propres. La maturité est là, psychique, physiologique, voilà. Et puis, il y a des enfants pour qui le processus est bien plus long parce qu'ils ont autre chose en tête et que ce n'est pas une de leurs préoccupations. Voilà, donc, voilà, selon comment vous allez ressentir les choses avec votre enfant, les choses, elles vont s'installer de manière différente. Et voilà, il y a plusieurs outils aussi, hein. Il y a les pull-ups. On peut avoir une étape de la couche à la pull-up. Alors là, je dis peut-être un mot publicitaire et je m'en excuse, mais en fait, ces couches-culottes qu'on monte et qu'on descend comme une culotte, c'est intéressant parce que l'enfant, du coup, il va passer de la couche à laquelle c'est l'adulte souvent qui la gère, voilà, à l'avant-culotte, cette couche-culotte que l'enfant lui maîtrise en pouvant la descendre et la remonter. Voilà, s'il y a une petite fuite, pas de catastrophe, hein, ça absorbe. Donc voilà. Donc ça peut être des idées de surtout là pendant les vacances. C'est vrai que ça, ce sont des mois propices. Bon, évidemment, il pleut en ce moment, mais aussi non normalement, c'est des mois propices à cette période d'acquisition de la propreté. C'est plutôt intéressant. On peut être en culotte dans le jardin. La pousse, ça craint rien. C'est vrai qu'en hiver, voilà, tous les enfants sont pas nés à la même date, donc tout le monde commence pas l'acquisition de la propreté en plein été. Mais c'est vrai que, voilà, quand c'est en hiver, on peut aussi être vigilant à se dire, pour que ce soit facile pour l'enfant, on peut lui mettre cette couche culotte et penser aussi à des vêtements pratiques. On va éviter la belle ceinture, le pantalon avec la fermeture éclair et le bouton. Sur cette période-là, on va peut-être lâcher le côté un peu mode où on se fait plaisir dans les boutiques pour avoir des vêtements pratiques. Hein. Le petit jogging, voilà, avec la couche culotte. C'est vrai que ça aidera quand même facilement l'enfant à pouvoir se gérer dans son autonomie et son envie de faire tout seul. Voilà.
Et bon, alors évidemment, hein, on fait attention à nos belles moquettes et à nos beaux tapis, hein, mais voilà, ça fera partie, on le sait, de cette période d'acquisition. Il va se passer des trucs, hein, le pot va se renverser, un pipi à côté, voilà, il y aura des loupés. Mais si on est prêt à entamer ensemble cette période, on prendra les choses de manière un petit peu plus légère que si on sent qu'il y a un timing serré, il nous reste 3 semaines avant l'entrée à l'école ou 1 mois. Là, on va être dans des conditions qui sont un peu plus difficiles à gérer. Voilà. Peut-être une chose qu'on n'a pas parlé aussi, Cynthia, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est voilà, un enfant qui s'opposerait systématiquement en fait, à aller sur le pot, qui hurle. Voilà, des fois, on constate hein, des enfants qui vraiment n'ont pas du tout envie, voilà, hurlent. Et on voit bien des parents qui sont un peu. Et qui savent plus quoi faire hein, de cette situation qui perdure. Voilà. Ben, le mieux peut-être, c'est de tout stopper. C'est pas grave. C'est pas grave. Il vaut mieux se dire, allez, on range le pot, on ne parle plus de cette propreté-là, on n'en parle plus. Même ça peut durer 1 ou 2 mois. C'est, on peut se dire pendant 2 mois, on ne parle plus de ce sujet. On y reviendra plus tard. C'est pas la peine d'insister. C'est pas la peine parce que l'enjeu va être voilà, si l'enfant voilà, ça lui provoque une colère et une impossibilité d'être tranquille sur le sujet sur lequel finalement on impose un petit peu nous en tant que parents parce qu'on connaît bien le but ultime de la rentrée des classes. Voilà, il vaut mieux couper court et se dire bon allez, peut-être que c'était trop tôt. On verra ça plus tard. Et souvent voilà, mais plus tard, ce n'est pas 3, 4 jours ou 2 semaines. Il faut vraiment qu'il y ait une coupure franche, assez longue. Voilà. Et on voit plus tard et on revient sur le sujet. Et comme disait tout à l'heure Cynthia, à travers du jeu, à travers des histoires, à travers tout ce qui est jeu de manipulation. Voilà, sachez que vos enfants, ce sont des petits êtres qui jouent tout le temps. Donc, plus on passe par le jeu. Et plus ce biais-là fait qu'on peut se rencontrer sur des choses dans lesquelles on peut les accompagner. Voilà ce que je voulais rajouter, Cynthia. On a oublié un petit détail, c'est sur les choses qui sont pas très bénéfiques lors de l'acquisition de la propriété, c'est les enjeux affectifs. C'est-à-dire que, par exemple, si votre enfant au début a des difficultés ou comprend pas trop le sens au début, pourquoi s'asseoir sur un pot? Parce qu'il ressent pas forcément l'envie, le besoin. On peut avoir entendu, on peut s'entendre dire, allez, fais pipi pour faire plaisir à maman, par exemple. On va dire que c'est pas l'idéal parce que l'acquisition de la propreté, c'est pas forcément pour vous faire plaisir à vous en tant que parent. C'est parce que c'est une autonomie qu'il doit acquérir pour bien grandir et pas pour faire plaisir à papa, maman, papy, mamie ou la SMAT ou la structure dans laquelle il est. Comme faire par exemple, faire une razzia d'un coup de deux, trois enfants. Allez hop, on y va en même temps. Tac, on va faire pipi sur le pot. Ils n'ont pas tous envie en même temps. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y a des enfants qui vont, par exemple, avoir des rituels. C'est-à-dire que, y en a qui vont plus aller faire caca le soir, d'autres plus le matin, d'autres après manger. Ça va être au fur et à mesure où il va grandir que vous allez pouvoir justement repérer ces petits moments-là et lui proposer le pot au moment où d'habitude il va faire dans la couche. Là, vous êtes plus sûr de réussir votre coup à ce moment-là en ayant au préalable observé et repéré justement ses besoins pour son bien-être à lui et justement pas pour vous faire plaisir. Parce qu'après, ça, on peut rentrer dans un jeu affectif et qui peut tout envoyer valser et du coup tout faire capoter. Donc voilà. Avez-vous d'autres questions? Bonjour à ceux qui arrivent encore, si vous avez des questions.
Ah si, une question de Camille. Le fait que l'enfant monte les marches d'un escalier en alternant les pieds est-il un indicateur de la maturité de ses sphincters? Je vais laisser la parole à Christelle parce que j'ai un petit peu soif et du coup, je prends un coup. Oui, effectivement, Camille, ce sont des signes qu'on peut relever en fait chez un enfant quand il commence à monter et descendre seul les marches d'un escalier. Ça prévaut au fait qu'il contrôle ses sphincters, hein, ces petits muscles qui, comme j'expliquais tout à l'heure, qui permettent en fait la gestion de la vessie et de l'anus. Mais effectivement, c'est des repères. Voilà. Alors, c'est pas monter et descendre l'escalier en tenant la main de quelqu'un, mais c'est bien en sachant qu'on reste toujours à côté, hein, pour sa sécurité. Mais c'est bien quand on observe que l'enfant monte seul et descend seul les marches d'un escalier. Voilà. Petite Dis-moi. question. Eh ben oui, mais Petite formidable. question de Kelly. Oui, Bonsoir Kelly. Kelly. Lorsqu'on commence cette phase d'acquisition, doit-on y associer l'assistante maternelle? Oui, Oui. exactement, Kelly. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu veux... Bah, si tu veux, hein, moi je veux bien. Vas-y, allez, va. Voilà. Donc voilà. Donc effectivement, quand en tant que parent, vous sentez que c'est le moment. Il faut bien évidemment en parler à l'assistante maternelle afin qu'elle fasse un lien et qu'elle puisse aussi le mettre en place chez elle. Parce qu'évidemment, si l'enfant passe 7 à 8 heures chez la SMAT et qu'elle ne fait rien, forcément, ça va casser le rythme et le travail que vous faites chez vous. Donc, il faut vraiment que ça soit un travail des deux parties. C'est-à-dire que autant l'assistante maternelle doit suivre votre rythme, mais autant le parent, lorsqu'il est en week-end, en vacances, doit aussi faire l'effort de faire perdurer justement toutes les phases par lesquelles l'enfant commence à passer. Parce on peut voir justement des enfants qui commencent le travail en période de garde. Et sur une semaine de vacances, par exemple, les parents peuvent avoir 1000 trucs à faire et du coup laissent un peu tomber par manque de temps ou par manque de connaissances des fois et sont perdus. Et lorsque l'enfant retourne chez l'assistante maternelle ou inversement, hein, bien évidemment, il faut refaire le travail. Et des fois, justement, c'est là où il y a une opposition de l'enfant. Parce qu'il était content d'avoir réussi à faire quelque chose, sauf que le manque de temps et d'implication de l'adulte a fait qu'il y a une régression. Et finalement, ben, l'enfant, il est retourné dans son bien-être au niveau de la couche et ne va plus vouloir redémarrer. Donc, le travail, en gros, c'est du travail d'équipe. C'est-à-dire que tous les adultes qui s'occupent et qui gardent l'enfant doivent participer à l'acquisition de la propreté lorsqu'elle commence à se mettre en place. Voilà. Ça te va? Oui, et, mais le chef d'orchestre reste le parent. C'est important. Mais effectivement, c'est bien de l'associer. Et voilà, c'est important, il faut l'associer. Mais le chef d'orchestre, c'est quand même les parents. Et c'est vrai que l'avantage d'être entouré de professionnels de la petite enfance, c'est aussi de pouvoir profiter de leurs connaissances, de leurs habitudes, hein. Elles sont là aussi pour nous renseigner. Comme tu disais aussi, le pédiatre, hein, le médecin aussi, ça peut être un support important. Et les professionnels, qui gardent vos enfants aussi, hein. C'est vrai qu'elles ont une connaissance, ou elles ont une connaissance forcément sur le terrain, mais c'est vrai que le tempo et la manière dont les choses vont se dérouler, c'est important, nous, professionnels, et on est habitués de suivre le parent dans son cheminement, en fait, hein, dans son choix avec l'enfant. Alors, nouvelle question de Christiane. L'enfant est-il propre en même temps pour le pipi et pour le caca? Pas forcément. Souvent, alors là, j'ai vraiment parlé d'une généralité. Après, bien sûr, il y a chaque enfant a sa façon d'évoluer qui est différente. Souvent, enfin, la propreté au niveau du pipi est beaucoup plus simple que pour le caca, parce que les sensations sont différentes.
Et ce qui se passe dans la tête de l'enfant n'est pas du tout la même. Bien souvent, pour le caca, les enfants peuvent en avoir peur parce qu'ils ont l'impression de perdre une partie d'eux-mêmes. Donc c'est là où justement, on parlait tout à l'heure de jouer avec différentes matières comme la pâte à modeler, le sable, la pâte à patouille. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise en matinée d'éveil, qui justement sont des matières différentes et qui peuvent les aider justement dans cette phase. Il peut arriver que des enfants veulent toucher aussi le caca qui sort d'eux dans le fond du pot pour bah, se l'approprier, voir ce que c'est. Alors, faut pas que ça en devienne un jeu, mais il faut pas non plus les empêcher de le faire, parce qu'il y a, enfin, ça peut vite dériver par de la constipation si jamais, je sais pas moi, si on les empêche si nous, en tant que parents, on met trop d'a priori justement sur le caca, on peut bloquer l'enfant et ça peut dériver en constipation. Donc il faut en fait accompagner l'enfant sur ce qu'il a envie de faire, sur s'il a peur, eh ben on peut trouver des solutions. Il y a des enfants qui sont propres toute la journée, toute la sieste pour faire pipi, mais par contre, qui ont encore besoin de porter une couche pour faire caca, eh ben, c'est pas grave, on peut leur remettre la couche. Il y en a certains qui ont besoin de se cacher, même s'ils ont une couche sur eux, ils ont besoin de se cacher sous une table à l'abri des regards. Il y en a d'autres qui ont besoin qu'on leur tienne la main, il y en a d'autres qui ont besoin d'être au milieu du salon avec tout le monde qui le regarde. Donc voilà, chaque enfant est différent, chaque enfant vit la chose différemment. Et l'important, c'est d'être en capacité de l'accompagner au mieux sur la façon dont il le vit. Et de pas se mettre, voilà, comme dirait souvent Christelle, de pas se mettre la rate au courbouillon et de pas se mettre trop de pression. Parce que voilà, on peut avoir quelques dérives à ce niveau-là. Et si vraiment il y a des peurs intenses au niveau justement de cette phase caca, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir votre médecin, votre pédiatre. Il peut y avoir aussi l'aide d'un psychologue qui peut vous accompagner si vraiment vous vous sentez trop perdu. On va clôturer notre webinaire sur Fini les couches en espérant qu'on a répondu à vos questionnements. On n'a sûrement pas fait tout le tour de la question, mais en tout cas, on a essayé de répondre un peu à cette question. Voilà, avec Cynthia, en tout cas, nous restons disponibles pour toute question qui pourrait vous venir après cet échange. On vous souhaite une excellente soirée. On vous remercie pour avoir passé cette heure d'échange avec nous. Et bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée, au Au revoir. revoir, Merci beaucoup. merci pour votre écoute.